un opéra comme celui de Los Angeles. C'est... Alors, c'est d'accord. On demande à Gary de nous construire un opéra. Facture Bilbao. Une enveloppe Snoopy, tiens donc. Cher monsieur Gary, pourriez-vous construire un opéra pour notre ville? On n'est pas la plus grande des villes, ni la plus belle, mais on a été la première ville d'Amérique à abandonner le système métrique. Oh! Frank Gehry, tu es un génie! Voici le nouvel opéra de Springfield. Oh. Sachez que ce projet n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas reçu une lettre d'une petite fille. Elle est de moi, la lettre. L'architecte le plus mieux du monde, c'est vous qui avez écrit ça? Bah, c'est vrai, non? Qui est pour un opéra de 30 millions de dollars rien que pour emmerder Shelbyville? Ouais! Mon chef-d'œuvre, sale petit voyou, ou je vais le dire à vos parents. Yo, Frank Gehry, elles sont trop géniales, tes montagnes russes, mec. Oh. Qu'est-ce que je peux être excitée? C'est comme de mettre au monde un enfant de fer et d'acier. Mais où est-ce qu'ils font tous? La symphonie ne fait que commencer. Et alors, on a entendu le pom-pom-pom-pom, le reste c'est que du remplissage. Je croyais qu'ils allaient nous jouer la bande-son du film Beethoven, moi. Je suis vachement déçu. C'est nettement plus beau sur mon portable. Ne partez pas maintenant! Le prochain morceau est un peu pourri atonal de Phil Glass. Mais abruti de plouc, pourquoi vous m'avez pas dit que vous détestiez le classique? Parce qu'on n'a pas eu le temps. Cet opéra s'est construit en deux coups de cuillère à peau. On est ruiné, mais j'ai un plan. On va changer le nom de la ville pour échapper à nos créanciers. Il me faut des propositions. New Springfield. Gotham City. Wiganville. Burgerville. Je peux peut-être apporter mon aide. Sweeters, pratiquez-moi donc une nouvelle ouverture dans ce rideau. Si vous me cédez cette salle de concert, j'épongerai la dette. Et vous verrez tous vos problèmes disparaître. Le bâtiment est à vous. Magnifique. Oh, il en a fait une prison.